juste, bah, c'est, on peut faire ses propres peluches. Donc moi je vais faire un Evoli. Donc là l'Evoli il est tout mou, il n'y a rien dedans. Et donc on va le remplir de mousse. Et après ça fera une peluche Evoli. Le pauvre, il se fait maltraiter l'Evoli. Donc en fait on appuie sur le, la pédale là et ça remplit le, toute la mousse, ça va être la peluche. Comme ça après ça fait une peluche en vrai. C'est même des petits vêtements pour mettre sur les peluches Pokémon. Je fais le certificat de ma peluche. Alors j'ai choisi son nom, il va s'appeler Ivui. Comme en japonais, comme le genre en japonais, le nom en japonais. Is it my date of birth? Yeah. Ah, okay. 90. Is this a gift? No, it's for me. Right, recipient name, is that my name? That would be who it's gifted for. Well, that's me. I mean, it's a gift for me, really. What's your name? Oops. It's 35 centimeters, 35 cm, 340 grammes. Il a les yeux noirs, il est, sa fourrure elle est marron et il m'appartient à moi. Trop bien! Alors voilà, j'ai ma boîte avec ma peluche. Je vais soleil dans les yeux, du coup je suis obligée de fermer un peu mes yeux. Et je sais pas si vous allez m'entendre très bien parce que on filme d'assez loin. C'est pas moi qui filme du coup. Alors, voyons, voyons! Donc j'ai mon certificat, oh, c'est trop mignon, c'est trop bien. Donc mon certificat avec le nom de mon Pokémon et ça appartient à moi. Donc comme vous avez vu tout à l'heure sur l'écran, ma peluche que vous allez mieux voir ici. Alors il a un peu une drôle de tête, he's got a funny face. He's got a funny face. Mais il est trop doux, j'aime trop. Et il a la queue bien gonflée, hein. Mais c'est bien parce que du coup ça fait bien comme la queue qu'il a. Normalement il a une queue vraiment, vraiment grosse. Donc là il y a la petite étiquette Pokémon. Et Build-A-Bear Workshop. Non, il est, franchement c'est pas mal, sachant que, bon oui il a une tête un peu bizarre, mais sachant que c'est, enfin tu fais ton Pokémon tout seul, je trouve que c'est plutôt pas mal. Genre je préfère ça que les peluches de Tommy, pas aussi bien que les peluches du Pokémon Center, mais mieux que les peluches de Tommy je trouve. Et j'ai aussi eu, ah oui, une petite paire de lunettes que je peux lui mettre. C'est trop mignon. Bon, je lui mettrai pas, mais comme il y a du soleil là, voilà, avec la paire de lunettes. Attends, je vais me la mettre à moi là, il y a trop de soleil. Voilà, je vais rester comme ça. Ah, on voit flou avec. Et aussi, j'ai eu la carte Pokémon Eevee avec marqué... Build-A-Bear Workshop. Donc ça, je trouve ça trop bien, je vais même pas l'ouvrir, je vais la garder scellée sous le plastique et la ranger dans un classeur où j'ai des cartes qui vont pas dans les collections que je fais. Donc ça, ça appartient à aucune collection, mais je crois que ça c'est pas offensif quelque chose, je sais pas, vous pourrez me dire, je vais regarder ensuite ça fait partie de quelle collection. Et la dame a été très gentille quand elle a vu que j'étais trop contente quand elle m'a donné la carte. Je vais enlever ses lunettes, c'est vraiment désagréable. Quand elle a vu que j'étais très contente quand j'ai eu la carte Pokémon, elle m'a du coup donné une autre carte. Et c'est une carte Salamèche. Pareil, avec marqué Build-A-Bear Workshop. Donc en fait, apparemment, le Salamèche, ils avaient un Salamèche en peluche comme ça aussi, il y a quelques temps. Bon, il y a du bruit, on est dans un parc. Mais ils la font plus, et donc elle expliquait que quelquefois les enfants qui venaient faire leur peluche Salamèche, le vendeur oubliait de donner la carte avec la peluche. Donc il y a aussi un Pikachu, donc si vous faites le Pikachu, vous avez une carte Pikachu. Et du coup ils oubliaient de donner la carte Salamèche, donc ils en avaient un rap, donc elle m'a donné une carte Salamèche en plus. Du coup j'ai deux cartes. Alors je pense pas que je ferai le Pikachu, mais ouais, donc j'aurai pas la carte Pikachu. Mais je suis contente, ça me fait deux cartes en plus qui sont d'une collection un peu à part. Et la Salamèche est très jolie. Et le Eevee, il me semble, je me souviens plus ça vient de quelle collection, mais j'ai déjà vu cette illustration auparavant. Mais elles sont super sympas, ces deux cartes. Donc je suis très très contente de mon petit Evoli qui est trop mignon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était complètement improvisé. Mais en tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.